Bonjour tout le monde, alors dans cette vidéo je vais tenter, je dis bien tenter, de fabriquer une batterie Parkside que j'ai achetée sur AliExpress. C'est un kit à monter, j'ai également acheté des batteries sur AliExpress. J'ai payé le tout à peu près 42€, j'avais acheté en promotion l'année dernière. Et on va tenter de fabriquer une batterie compatible avec tous les outils Parkside, mais avec une capacité plus importante que la capacité d'origine. En effet, cette batterie de 4 Ah, elle est composée de 10 cellules de 2000 mAh, sauf que j'ai acheté 10 cellules de 3500 mAh. Potentiellement, je peux fabriquer une batterie de 7000 mAh, c'est-à-dire une capacité pas très loin des batteries Parkside de performance 8 Ah. Si la capacité est respectée et si j'arrive à faire le montage. Il va y avoir deux vidéos. Cette première vidéo, ça va être, on va dire, le montage, en tout cas la tentative de fabrication de la batterie. Et la deuxième vidéo, ça sera la partie test. Temps de charge, capacité réelle, etc., etc. Au niveau du kit, c'est un kit AliExpress à monter. Vous voyez, c'est les différents éléments qui composent la batterie. Or, les cellules que j'ai achetées séparément. C'est un kit que j'ai depuis très longtemps. J'espère qu'il est encore complet parce que j'ai vérifié et je pense qu'il me manque un petit ressort. C'est pas très grave, je le reprendrai sur une autre batterie, mais je pense que déjà j'ai perdu un petit ressort. Donc là, vous voyez le kit avec le boîtier, la carte, une sonde de température concernant le niveau de batterie, le support pour les cellules, des éléments qu'il va falloir souder sur les batteries, de la visserie, des petits éléments, et c'est là, je pense, qu'il me manque un petit ressort. On a même un petit autocollant. Vous voyez le logo d'origine, et ça, c'est le logo. Au niveau des cellules, j'ai pris des Lilto Kala, des 18650, 35E, et normalement, la capacité, c'était 3500 mAh. Par contre, chose très importante, c'est qu'a priori, il faut que toutes les cellules soient à peu près sur une tension identique, ou pratiquement identique. On va vérifier la tension individuelle. 3,78 volts, 3,78, 3,78 et 3,78. Là, c'est parfait, je vais pouvoir les monter telles quelles. J'ai pas besoin de les charger, elles sont déjà toutes à une tension identique. Là, ce sont des récentes, en théorie, 3500 mAh, c'est-à-dire que je vais avoir normalement une capacité identique. Ne faites pas avec des 3000, des 3500, des 2500. Toutes doivent avoir la même capacité. Tension identique, capacité en théorie identique. Donc là, je vais pouvoir faire le montage. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir une batterie originale. Et comme ça, je vais m'en inspirer pour faire le montage. A noter qu'il n'y a aucune notice de montage, aucun conseil, il n'y a rien du tout. C'est ce petit ressort que j'ai pu dans le kit AliExpress, que j'ai dû perdre. Et là, c'est une batterie originale. A noter la présence de rouille. Et là, on est sur des batteries Parkside de 2000 mAh. Et là, on va être sur du 3500 mAh. La carte Parkside... Et là, la carte AliExpress, elles se ressemblent beaucoup, mais c'est pas exactement les mêmes. D'ailleurs, ce qui me fait peur, c'est au niveau de la charge. J'ai peur que la AliExpress se charge moins rapidement. Ça m'était déjà arrivé avec une batterie toute prête que j'avais achetée sur AliExpress. D'ailleurs, je vous remettrai la vidéo sur le i en haut à droite. J'ai peur que celle-ci également, elle accepte une charge moins rapide. Les cellules, je vais les mettre exactement dans le même sens. A noter que j'avais acheté ça à l'époque pour isoler. Surtout en commentaire de la vidéo, dites-moi est-ce que c'est utile ou pas. Peut-être que ça sert absolument à rien parce que sur l'original, il n'y en avait pas. Voilà, j'ai remis les petits éléments isolants. Donc j'en ai mis uniquement sur les positifs. Est-ce qu'il fallait ou pas en mettre également sur les négatifs? Dites-moi en commentaire de la vidéo. J'ai exactement respecté le même sens des batteries. Là, je vais positionner les languettes exactement comme la batterie d'origine. Par exemple, de ce côté, je vais faire la soudure comme ça. Là, je suis avec le poste à souder ProStormer que je vous ai déjà présenté. Je vous remets la vidéo sur le i en haut à droite. J'ai mis 350 degrés. Ça va être l'étape qui me fait le plus peur. Alors, dites-moi en commentaire de la vidéo si je ne me suis pas trompé. C'est que avant de faire cette étape, est-ce que j'aurais pas dû plutôt faire la soudure des batteries sur les petites languettes? Faire la soudure par points. Est-ce que j'aurais pas dû déjà faire cette soudure-là par point
au niveau des languettes, au lieu de faire déjà la soudure des languettes sur la carte. Vous voyez ce que ça peut donner. J'ai l'impression que les pâtes d'origine elles sont quand même de meilleure qualité. Là, vous voyez déjà ce que ça peut donner. Voilà, j'ai terminé. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Vous voyez comment ça se présente. Je vais déjà mettre la sonde. Dites-moi si j'ai pas fait une erreur de mettre la sonde telle qu'elle. Est-ce que normalement la sonde elle est pas finalement posée avec une sorte de pâte blanche, une sorte de colle blanche? Là, moi, je l'ai posée directement telle qu'elle. Est-ce que j'ai pas fait une erreur au niveau de la sonde? Bon, maintenant, il ne me reste plus qu'à faire la soudure. Je vais utiliser une soudeuse par point, je remets la vidéo de présentation sur le i en haut à droite et en description de la vidéo. Donc là, je suis en 2P90. Alors là, je suis en train de me dire, j'ai peut-être fait une erreur, c'est qu'il aurait peut-être fallu que je fasse la soudure par point avant de faire cette soudure. Là, j'ai vraiment un énorme doute. J'ai eu vraiment un gros doute. Je pense que j'aurais dû faire cette soudure là après la soudure à point. J'ai fait l'inverse. Dites-moi en commentaire de la vidéo ce que vous en pensez. Est-ce que c'est pas bon ou est-ce que c'était bon? En théorie, si j'appuie, ça doit s'allumer. Si ça s'allume pas, c'est mauvais signe. Ouais. Là, je suis content là. On va mettre les petits amortisseurs. Je récupère de l'autre batterie le petit ressort. Il y a ça aussi que je vais devoir coller sur la batterie. Les amis, je pense que... Alors là, c'est la boulette. C'est que ça, ça devait être mis avant, en fait, dans la partie intérieure. Et je ne l'ai pas mis. Et là, je ne peux pas le mettre comme ça. Bon, là, c'est vraiment la grosse erreur. C'est que j'aurais dû le mettre avant la carte. Et là, maintenant, je peux plus retirer. Bon, bien entendu, si vous êtes amené à faire ça, bah ça, faut le mettre avant. Je l'ai cassé parce que je voulais pas tout retirer. Et là, je vais simplement mettre un point de colle chaude. J'ai remis la coque. Alors, le seul problème, c'est que j'arrive pas à mettre ça. Si je mets ce petit élément-là, j'arrive pas à placer la petite carte. J'ai l'impression que les soudures sont un petit peu trop épaisses. Et finalement, ça passe plus avec ce petit élément. Je vais pas le mettre, j'ai peur d'abîmer en fait. Alors, au niveau de la tension, là je suis à 18,8 volts. Vous voyez, j'étais à 378 volts x 5, 18,9 volts. Et j'ai bien 18,8, 18,9 volts. Là c'est un chargeur Parkside, et on va voir si ça charge. Bon, là, en tout cas, ça indique que ça charge. Et là, ça envoie du 52 watts. Vous voyez, donc pendant 45 minutes, il a chargé normalement à 52 watts. Et là, depuis une demi-heure, il fait une charge plus lente. La charge vient de se terminer. Et là, elle a reçu 64 watt-heure. En sachant que la batterie était déjà partiellement chargée. Alors, la tension, 20,9 volts. Alors, un outil Parkside. A priori, ça fonctionne. Également avec adaptateur. Elle peut être compatible avec des outils d'autres marques. Là, du ferme. D'ailleurs, je remets la vidéo de présentation des adaptateurs sur le i ou à droite. La version que j'ai montée est une version officielle Parkside. Elle se ressemble beaucoup. Simplement, celle-ci, on sent qu'elle est un petit peu plus lourde.
Là, je suis sur 735 grammes. Et la Parkside officielle, 769 grammes. En théorie, si c'est respecté, là, je suis à 7 ampères-heure. Et là, je serai à 4 ampères-heure. Voilà pour cette première vidéo réalisation de la batterie. En tout cas, a priori, ça semble fonctionner sur les outils, la charge. Donc là, maintenant, je vais tester la batterie. Je vais la décharger, la recharger, voir sa capacité réelle. Les résultats, ça sera dans une prochaine vidéo. Je vous mettrai en description de la vidéo toutes les références, batterie utilisée, tout ça. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.